Eh bien, morning good people, c'est Pilo, bienvenue dans le Pino Time. On est sur Summoner's War, les amis. Nous sommes partis pour une semaine session. J'avais oublié de switcher de visuel, excusez-moi, sur le compte de SebHand31 pour une semaine session de qualité supérieure, incroyablement dingue, que vous allez réaliser. Pas du tout vous, moi je vais la réaliser ce soir pour le bien de l'humanité et de ce joueur expérimenté qui a besoin d'être régalé par Come To Us et par des fakes. Parce que sinon il n'aurait pas du tout fait appel à moi, on est d'accord. Nous sommes mercredi, vous pouvez venir en live le lundi, le mercredi, le jeudi soir à partir de 21h en live directement sur Twitch. Tous les liens sont en description de la vidéo les amis. N'hésitez pas à follow, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Bien entendu, si tout le contenu vous plaît. On va sur le 808 les choux. Je balance immédiatement le sondage, le nouveau sondage, de pour savoir combien de fake, 4 ou 5 étoiles, 4 et ou 5 étoiles, d'accord, on aura dans cette semaine session de SebHand. Nous allons découvrir sans plus attendre où nous allons. Killer immédiat, il a fait 3 ou plus. M'en bats les reins, c'est sûr et certain, je le sais déjà. Vas-y, désolé d'être aussi tard. J'ai eu un empêchement, il n'y a pas le problème, Gilwen, mon chou, il n'y a aucun souci, tu es là, bienvenue mon chou. C'est parti pour découvrir un petit peu tout ce que nous avons un vélin de transcendance, les choux. Un vélin de transcendance, 2-3 vélins légendaires sur cette semaine session avec 3 vélins light and dark, les choux. 3 vélins light and dark, 113 vélins mystiques. Non, 0 fake là. Sam, il est pas bien fait, mais non, arrêtez, pas de fake, les amis. Mon cœur va lâcher. Est-ce que les pierres sont à faire? Je ne pense pas. Attends. Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. Je préfère revérifier au cas où ce que tu m'as dit. Tu cherches dans ta wishlist des jumelles pour skill up, des jokers pour skill up, des pirates pour skill up et du skill up pour Barretta aussi. Ok, et un 5 étoiles. Il s'en fiche du 5 étoiles tant qu'il en a un. Du coup, je regarde dans le chat si tu m'as répondu. Non, pas les pierres, s'il te plaît. Je crois que tu me l'avais dit en plus. Il n'y a pas de souci, mon chou. Ok, on n'aura pas les pierres là-dessus. Très bien. Je peux t'avoir des harpues dark, mais d'une facilité sans précédent. Même toi, tu ne seras pas prêt à les avoir. Je te le dis, mais je le ferai pas. Clairement, je le ferai pas parce que ça serait trop de qualité. Et tout le monde sait que on peut pas trop faire de qualité non plus. Après, il y a des problèmes, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je me gratte le torse. Ouais, ça fait quoi? Rien du tout, ça ne change rien. Ok, les amis, let's go. Let's go to the first semaine session là-dessus. Ça se dit pas du tout. Je regarde juste où on en est. Il nous reste une minute. C'est très très bien. Une minute pour les votes, les choux. On commence les 113 vélins mystiques là-dessus. Nous sommes en fond sonore avec du son de Kateb. Les liens seront en description de la vidéo aussi. Vous pourrez découvrir un petit peu le son aussi. L'album tourne en bac depuis tout à l'heure, du coup. Voilà, tout simplement, ça fait quand même plaisir d'avoir du son là-dessus. On n'aura pas le son du jeu sur cette semaine session, c'est incroyable. Ouh. Ambiance, man, ambiance, lutin champion. Non, étincelle, mon ami, on veut de l'étincelle. Come on, golem. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Non, c'est pas du tout ce que l'on veut, quoi. Ok, on continue, on veut la première étincelle. Chasseur, non. First, est-ce qu'il y a des étincelles sur ton compte déjà? Ouais, voilà, on demande des étincelles là. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas d'étincelles. T'as cassé le Stonehenge, pourquoi? Ok, peut-être qu'il attend le sang pour être un sound addict. J'en sais rien. Sound addict? Ok, sound addict. Skill up Barretta, tu es content. Je le sais que tu es content. Au pire, mets du Gadeb et tu pourras lui demander les droits pour la bête. Je lui ai demandé les droits. Je lui ai demandé les droits justement. Je voulais pas avoir de soucis. Je voulais pas avoir de soucis que ce soit avec son manager ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être strike. Levez les mains en l'air. Levez les mains. Ouais, c'est inferno. Wow. Ok. Non. Il a été sans addict une fois pour le moment. Est-ce qu'on peut l'être une nouvelle fois avec une nouvelle étincelle qui pourrait tomber immédiatement comme ça, qui pourrait nous régaler? Ça serait complètement incroyable sans cette histoire. Et nous avons ces 5 vélins là-dessus, toujours pas d'étincelle. On a eu une étincelle pour le moment, j'aime pas ça. Ouh, le petit pingouin feu que l'on aime tant, hein. Bien sûr, on pourra en parler pendant des heures de celui-là, quoi. C'est dingue de drop des énergies sup alors qu'on fait des moyens. Depuis qu'il y a cet event, je trouve que c'est décalé. Depuis qu'il y a ces missions, je trouve que c'est décalé. Quand t'arrives à la mission, tout d'un coup, tu gagnes les deux autres trucs que ce qu'on te demande de gagner. J'aime les pattes, mais oui, mon chou d'Arty, mais oui.
Allez, les étincelles, mon ami, un mammouth de combat, non merci, c'est pas du tout ce que l'on veut. On veut des étincelles, on veut des étincelles, on veut le régaler, le chou, on veut le régaler avec une étincelle. Très très bien, on a une étincelle, mes amis, on a une étincelle avec Lexi, c'est pas ouf. C'est pas ouf trop, quand même. C'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois. Et c'est bien encore, je suis gentil, mais c'est pas forcément très très bien joué. Ça peut servir de skill up, ça peut servir de skill up. Ça peut embêter dans certaines situations, mais c'est trop... C'est trop décevant. On parle de 5 nats Pito. Ok, Depino, ok, d'accord. Savannah est un monstre de qualité supérieure que l'on aimerait tous avoir sur notre compte en possession. Barretta, du skill up Tyrone, très bien. Lexi Pantera. On veut du 5 nats, mon ami. On veut Savannah, on veut quoi? Qu'est-ce que tu voudrais en 5 nats? Qu'est-ce qui serait bien en 5 nats que tu aimerais bien avoir? Une Syrah peut-être? Salut Dark, comment vas-tu mon chou? La forme ou pas? Tiens, skill up, en veux-tu? En voilà, bah c'est très très bien. C'est très très bien. Pour le moment, je tiens à signaler que nous n'avons pas encore eu de fake. Et ça, c'est une très 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 bonne chose. Donc, pour le moment, on est sur une semaine session d'étincelles plutôt de qualité plutôt que de fake. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, toi, ça va très très bien, mon chou, quoi. Oui, c'est cool ça. Pour le moment, pas de fake. Et ça, c'est cool. Après, les votes, normalement, sont bien terminés. Normalement, plus personne peut voter. Il veut Christina. Pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? C'est pas un des pires, quand même. Donc, tu ne prends personne en vogue. Je n'ai pris personne en vogue là pour les semaines session. Ouais, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Attention, attention. D'habitude, on prend. Oh, Sophia. Non, c'est du skill up pour Julie et pour Clara. Ça reste très très fort, c'est un monstre fort. Mais le truc c'est que c'est pas ce qu'il a besoin. C'est du skill up Julie ou Clara pour moi. Là pour son niveau en tout cas, c'est là où on en est. En tout cas actuellement c'est là dessus, c'est sûr et certain. Un petit serpent feu, pas du tout ce que l'on attend. C'est pas du tout ce que l'on veut bien entendu. Parce que nous qu'est-ce que l'on veut? On veut un 5 nat ou alors du skill up pour les monstres tant attendus. Pour qu'ils puissent progresser. J'ai Savannah mais je ne sais pas comment la ruiner le plus rapidement possible en dégâts crit de préférence. Je pense peut être quelque chose de très très bien. Notamment en Swift. Ça peut être cool. En Swift, ça peut être vraiment comme une petite faucheuse. Feu, non, non, non. Et le feu patrouilleur, non plus, non plus. On a du skill up quand même. À quand le rap des choux? Oh là là, vas-y, on va faire le rap des choux. Oh, tu m'as chauffé, ND. Une phrase a permis de me chauffer. On va faire le rap des choux. Deux versions. Oh là là. Ah non, franchement, en 2 secondes, tu vas beau time. Ok, t'as gagné quoi. Il t'a chouffé. Ça y est, c'est reparti, je sens que tu vas repartir quoi. Tu m'as chouffé là. J'en étais sûr. Dès que je parle de chou, ça part en pistache. Non, bah ça part en chou. En chou-stache. Ascensia, non merci, il étincelle avec Savannah à l'intérieur, comme ça on en parle plus. Et c'est fini, encore un Barretta. Tu voulais du skill up hein mon ami, il est là hein, le skill up hein. Le skill up Barretta, le skill up Tyrone et tout là, t'en as hein. Il y a de quoi être chouffé bien comme il faut, tu vois ce que je veux. Pistouche. Je la valide vraiment quoi. Voilà, on est sur des skill up là, pour le moment on est sur des skill up. Ouh, chat martial, oh j'adore. Mina c'est très fort. Mais là, je pense que c'est bon, on peut arrêter le skill up, on peut aller sur du Savannah, tu sais, les vrais monstres, quoi. Genre des tritons, genre des Syrah, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est une semaine qui fait chou blanc. Oh, le gamin! Punchline de ouf de la part de Bougachtouil! Oh là là, Bougachtouil! Je crois que le mail a été envoyé sur full skill. C'est fullskillup@summonersworld.com. Ok. Allez, petit golem. Ouh, petite étincelle, les amis. Attention, petite étincelle avec encore un skill up. Ce sera Draco. Draco, c'est fort. Attention, Draco, c'est fort. Hein. Possesseur de basse tête, Draco. Attention, pensez-y, c'est très très fort. Quoi. Mina, avec 255 de speed, ça passe. Oui, ça passe, bien sûr que ça passe. C'est très très bien, 255 de speed sur une Mina. Si elle est en attaque, dégâts crit attaque. Non, je rigole. Si, en fait, en même temps, c'est possible parce qu'elle a quand même une. Quoi, elle a 119 ou 120? Je sais plus, elle a une grosse base de 1, 2, 3 choulets. Elle a une grosse base de vitesse quoi. Sugar style 119, voilà c'est ça. Donc au final c'est largement fossile en... C'est largement fossile. Bah ouais, c'est largement fossile. Oh t'es une étincelle. Oh changeons de sujet, étincelle. Tania. Je peux pas dire que c'est nul. C'est très fort. Mais c'est pas ce qu'il attend. C'est reste un monstre extrêmement fort, Tania. Minotaur, non merci. On a le chevalier pingouin. Non merci, toujours une fée. Tania, franchement, c'est fort. Draco, c'est quand même plus beaucoup fort. Ça se dit pas, mais on le dira quoi. Bougastyle, t'es global ou Europe toi? Il est global.
Mon chou, il est global. Je réponds à sa place. Étincelle, les amis. Étincelle. Do you see that? Do you see that? Ok, ok, c'est Katev. Dédicace, dédicace, mon chou. On a Alicia. Alicia, it's broken monster, you know. On parle en anglais mytho, d'accord? Allez, on parle en anglais mytho, ok. It's a broken monster, hein? Oh, oh my god, quoi. Non, c'est un doublon sérieux. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, l'ascenseur émotionnel une nouvelle fois, bien entendu. Mais c'est Alicia qui tombe malheureusement avec un arrière qui est là, Poséidon. Ah, c'est tellement dommage, ça fait une béné. Est-ce qu'on fait la béné tout de suite, mon chou? Tu m'as dit que tu avais fermé peut-être pour. J'arrive, Alicia. Eh ouais. Bah, on a eu un doublon. Le son est tombé pile au moment. Mais quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, j'ai eu un doublon, tout simplement. Ah, ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. Non. À tout moment, tout peut arriver. On le sait. C'est où le truc? C'est là? Pour faire, rappelle-moi plus tard pour le prochain 5 dates. Pas de soucis, allez, à tout à l'heure, Mike Post. Mike Post. si dupe ou pas. Ok, on va le faire du coup. Il y avait Alicia, du coup, Seb, est-ce que tu es prêt? Je fais ta petite béné, hein, quand même, bien entendu. On n'en parle plus. Béné, béné. Alichou. Alichou. Let's go pour la petite béné, malheureusement. Du coup, le compte comme fake ou pas? Oh, mais toi, tu veux gagner pour... Non, ce n'est pas un fake, regarde, c'est un 5 nat, les étoiles sont jaunes. Clairement, hein, les étoiles sont jaunes, tout va bien. Allez, on a les cristaux, let's go to tech. De bénédiction de l'invocation radieuse à acheter, let's go. Ok, là, à partir de là, on veut combien de nouveaux 5 nats? 28? On va faire un peu de place tout de suite? Je suis d'accord. Hop, allez, on va récupérer tous les 3 étoiles pour les ranger pour le moment de l'autre côté, pour avoir un peu plus de chance de dropper un nouveau 5 nat. Sachant que maintenant nous avons une bénédiction, tout ira bien. Je vous le dis, on ne peut plus, tout va être incroyable. Tout va être incroyable. On a un 5 nat et c'est un doublon, je ne suis pas content. Comment dit-on déjà? Ah oui, je ne suis pas du tout content. Je suis fâché. Fâché de ouf. Ok, on va mettre ça de ce côté là, let's go, on continue. Franchement là pour le coup, comme tout ça, ils ont abusé quoi. Widar, salut mon chou, comment vas-tu? La forme? Ils ont abusé sur ce coup-là. Ils ont totalement abusé quoi. Je suis en chouler. Ah oui, je suis en chouler de ouf. Ah ouais, non. Tu peux pas me donner des doublons comme ça, d'un monstre comme ça. Non. Pas de triplon, pas de doublon. C'est interdit dans la convention de Chounev. Pardon. Ça va faire Chazot, Adamel, Front et Ralsvec, Talia, Sabrina, Arang en bac. C'est pas mal. Chazot, ça marche très bien hein, en Rift. En Rift, oh, ça marche très bien, bien sûr. Je viens de drop. Oh là là, il arrive, il nous dit ça. On vient d'avoir Alicia, un doublon hein, quand même. Il arrive, il nous dit je viens de drop Elena et Shaw, donc ça va. Bah ouais, tu m'étonnes. Allez, étincelle. Est-ce qu'on peut encore avoir de la régalade actuelle? Et ça sera un garrot. Ah, malheureusement, Garo, c'est pas vraiment le monstre que l'on veut. On aurait voulu des jumelles, des jokers, des pirates, des Barretta. Je pense qu'on peut arrêter de demander des Barretta, quoi. Elena, c'est nul? Non, pas vraiment. Je trouve ça fort, moi, personnellement. Mais t'as besoin d'avoir un stripper pour qu'elle puisse jouer vraiment correctement et être au maximum de sa capacité. Et elle est plus efficace, malheureusement, contre des monstres de vent et de feu, d'une manière générale. Et ça demande, par contre, des grosses runes, quand même, mine de rien. Triton, ça va? Ah oui, Triton, oui, là on est bien là. Oui, au niveau strip, on est tout de tape, tu vois ce que je veux dire? À vous, c'est ta fille qui clique là. Ils sont où les fakes? Bah, je te jure, il n'y a pas de fake sur son compte, c'est incroyable, ça va être une des seules semaines de session où on n'a pas de fake, mon ami. Je suis content, je suis très content. Regarde, on n'a pas d'étincelle. On n'a pas de fake, j'ai dit étincelle. Pourquoi quand je suis là, ça part tout le temps en fille occulte? Stop me foutre le seum, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fille occulte. Il y en avait? Annabelle? Nikki, c'est nul. Ah non, Nikki, c'est fort. Ah non, Nikki, Laura, c'est on fire, les amis. Hein.
Les deux, hein. Franchement, c'est vraiment fort, quoi. Et j'ai eu Rika Annabelle. J'attends Charlotte. Charlotte et Nicky. Franchement, si t'as ces deux-là, tu complètes une famille plutôt puissante, hein, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que tu complètes une famille plutôt puissante quand même, là, c'est une très tripiquion. Non, attention, nous arrivons dans les deux derniers, l'équivalent des deux derniers packs, je veux dire, excusez-moi. J'en ai zéro, moi non plus, j'en ai pas encore. J'espère en avoir une un jour, mais on verra. Ah non, j'ai Rika, autant pour moi, j'en ai une. Non, autant pour vous, je vous pardonne tous individuellement. Voilà, vous, tous individuellement, je vous pardonne. Ouais, Jerica, ouais, c'est pour ça, quoi. Attention avec une Ondine. Oh, non, merci. Non. Par contre, on est respectez-nous, hein. Quand même, respectez-nous. Je t'embête, mais j'ai Nikki. Oi. Nikki, c'est fort. Je viens de faire semaine de guild. Il y a eu Masha, Léo, Shaw, Elena, Charlotte. Allez, tout le monde on fire ce soir. Ah, Lingling, c'est pas ouf. Sinon, j'ai monté 6 étoiles Lorraine et Chazelle en 2 jours. Ça me fait 19,6 étoiles sur mon compte. GG, mon ami, c'est très bien. Ça progresse de ouf, quoi. Il m'en manque juste Ragdoll, Jagger pour finir la famille des dragonistes. Robbie, s'il te plaît, laisse-moi les avoir avant. Je suis preneur que je les ai avant, mon petit Robbie. On continue, il nous reste encore 12 vélins mystiques sur cette semaine, session incroyable où on a eu pour le moment un doublon Alicia qui m'a fait très très mal, hein, qui m'a brisé le cœur malheureusement, mais tout peut arriver, bien entendu, il nous reste encore 10 vélins mystiques sur cette semaine, session, attention, chasseur de bêtes, non merci, c'est pas beaucoup demandé je trouve, Donut 5, tout va bien. Vionem, ouais, c'est très bien, ouais. Vionem, j'aime bien faire ça. Vionem, tu choisis. Vieux énergie, ça peut être pas mal aussi. Pour vraiment la rendre tanky, genre contre les pernas et tout, c'est vraiment faux. Mais sinon, je préfère quand même le Will ou le Nemesis pour pouvoir quête facilement et revenir un peu sur le devant de la scène à chaque fois avec son skill 3 qui permet de rééquilibrer les bébés. C'est quand même plutôt on fire, tu vois. Aïe, nice requin, oh ouais, t'as vu ça, aïe, mon chou, où sont les étincelles, s'il vous plaît, come on, comme tout, s'il vous plaît, non, on peut pas rester là-dessus, s'il vous plaît, oh, pas d'étincelles pour terminer les vélins mystiques, ça c'est une seule session, je ne suis pas très bien, je suis désolé du doublon de Alicia, ça m'a fait mal, en plus j'étais vraiment content, je me suis dit, waouh, on a réussi à régaler et tout, et non, on commence par quoi, les vélins légendaires, les vélins light and dark, est-ce que tu veux tout de suite la bénédiction, tu choisis, sachant que je pense, comme tu es assuré d'avoir une béné, peut-être d'avoir un 5 nat, peut-être qu'il est le plus intéressant est d'aller claquer la béné sur le transcendance. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses surtout toi, quoi? Wow. Plus de son, plus rien d'un coup, tout s'est calmé. Hey, mon ami. On fait quoi? Transcendance? Light and Dark? Vélin légendaire? Tu choisis. Laissons-leur une chance de pouvoir profiter à leur tour, bien entendu. Go Transcendance, puis Light and Dark à la fin. On garde les Light and Dark à la fin. On go sur les Transcendance, mon chou. On veut réussir, hein, clairement. Let's go! On prendrait foudre, dragon, je sais même pas si t'en as. Je sais même pas, est-ce que tu as Bolverk déjà ou pas? Waouh. Bolverk c'est oufissime. J'ai mis un... Moi je trouve un petit peu moins par rapport à Bolverk, mais Bolverk c'est dinguissime. La béné est forte. La béné est forte, mais moi je préfère Bolverk, de base. Non, t'as les deux. Oh non, mais c'est incroyable. Oh. J'ai aucun des deux, Seb. Non, moi c'était pour Big Poids surtout. Il a les deux, c'est dingue d'avoir les deux. T'imagines, t'as cette béné, tu deviens ouf. T'as aucun des deux. Je prendrais Jamir perso. Pourquoi? Pour lier dans skill de vitesse. Moi je prendrais Bolverk à 100% tous les jours. Parce que Bolverk c'est un counter à trop de monstres, quoi. Dès que tu mets des effets, bam, t'as les effets qui sont là. Qui sont sur lui. À 5 stacks sur sa tête, il midlife quelqu'un. Donc derrière t'as un monstre à venir et qui vient terminer l'autre monstre, c'est oufissime, c'est vraiment très très fort, quoi. Tu contrôles les Molongs, tu recontrôles énormément de choses, quoi. En plus si t'as Molong à côté, ouais, je t'en parle plus, quoi. Moi personnellement j'irai sur l'Empereur des Foudres. Oh.
Bah le Verk c'est trop OP, il fait toutes mes GVG G3. Bah ouais, je suis d'accord, hein, c'est vraiment trop fort, hein. C'est l'avenir en ce moment. Jamir, tu vas pas l'utiliser partout. Hein. Donc, moi personnellement, Seb, je te conseillerais Bolverk. Je vous fais confiance, Bolverk. Alors, mais je suis plus en PvE, moi. Jamir en PvE, tu vas l'utiliser en Tewa. Et Jamir, tu vas l'utiliser en offense. Jamir Bastet, double chaîne, par exemple. Bolverk va te régaler par la suite. Hein. Donc, moi, je prendrais Bolverk. Je pense qu'il faut prendre Bolverk. Donc, tu nous fais confiance, ok. Ça va forcément pas forcément t'aider exactement. Le mien, il dort. Ah, Elzac nous dit le mien, il dort. Mais moi, je vois pas pourquoi il dort, le sien. Ça complète à n'importe quoi. C'est complètement incroyable, Bolverk. Même tout seul sorti en RTA, c'est ouf, quoi. Bolverk, alors. Allez, partons sur Bolverk. L'empereur des foudres. Oh, complètement dinguissime ce monstre, quoi. Tu m'as dit on termine par les Light and Dark, hein, c'était bien ça. Hein. Non, plus Light and Dark à la fin. D'accord, donc les transcendances et après, quoi. Ça reste meilleur que jamais. Ouais, c'est clair. Allez, on a trois légendaires avant d'aller sur les Light and Dark, les amis. Let's go. Moi, pour moi, Bolverk, c'est ouf. Ok, Garo une nouvelle fois. On a eu un Garo tout à l'heure sur les vélins mystiques, c'est pour ça que je dis une nouvelle fois. C'est dommage, c'est dommage. Ok, on continue avec les deux vélins Legendary. Let's go. Ce serait bien un deuxième, encore un 5 nat. Hein. Ce serait oufissime. Orion, ah. Allez, j'y crois, j'y crois. Putain, il l'a aussi, quoi. Il est sorti tout seul du fond du cœur, quoi. On l'a vu, le Ariel. On l'a vu. On l'a vu tout à l'heure. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il est là. Il est juste là. Ah, je suis pas content, là. Ah, je suis pas content comme tout est, là. Come on. Le monstre est fort. Mais non. Non, pas deux. Tu vois, pas deux. Bon, le chou est ton confit de bord. Doublon encore. Oh, mon chou. Franchement, là. Franchement, là, je suis. Il t'en manque encore ici. Enfin, on a plus de vélins qui peuvent claquer une béné, mais du coup, t'auras une béné supplémentaire quoi là-dessus. Mais c'est vraiment dommage là pour le coup. Franchement, là. Franchement, pour le coup, c'est dur quoi. Oh là là, le Ariel en doublon, le Alicia en doublon, deux monstres en doublon, dont un qui est parti en béné. Et du coup, tu te retapes encore une fois un nouveau 5 nat, mais cette fois Ariel que tu as déjà. Que je t'ai envoyé dans ce kill-off quoi. De quoi ? Aïe 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 aïe. Allez, go pour les Light and Dark. Ça me fait mal un petit peu pour toi mon chou quoi. Mes deux premiers doublons, ah, malheureusement c'est moi qui te les ai. Oh, Mio c'est ouf. Mio c'est ouf quoi. Mais est-ce que tu vas monter un deuxième Ariel juste pour le World Boss? Je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr que ce soit Wars de le faire. Mio c'est complètement dingue. C'est broken en ce moment, ça casse partout quoi. Le loup-garou Dark. Jultan, hein, plutôt cool. En vrai. Et le dernier. Pas d'étincelle là-dessus. Comme tous, vous abusez. Vous abusez, les choux. Franchement, vous abusez. Vous auriez pu donner une petite étincelle là-dessus quand même pour nous régaler. Hein. Là, vous avez abusé, clairement. Du fond de mon cœur, vous avez abusé. Les choux, non. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Le vrai nouveau jouet est là, c'est Bolverk, clairement hein, qui est là. C'est un monstre vraiment ouf, oufissime, de chez oufissime. Je vais te l'éveiller mon chou d'ailleurs au passage. Il est vraiment dinguissime, vraiment dinguissime. Moi c'est un monstre que j'adore de ouf. Bolverk est vraiment très 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 fort. Mais
Mais du coup, ça débloquera pas. On a du skill up pour ton. C'était du skill up Barretta qu'on a eu. Donc, du coup, il y a déjà des choses qui sont là. On a eu un doublon Ariel, doublon Alicia. Ça me fait vraiment mal pour toi, pour le coup. Si on avait pu éviter ces trucs-là, ça aurait été vraiment on fire de ouf. Là, malheureusement, on a ça. Deuxième Ariel, franchement, je ne suis pas chaud pour te conseiller de le monter, clairement. Ça ne vaut pas le coup. Je ne pense pas. À mon sens, en tout cas, ça ne vaut pas le coup. De toute façon, tu ne l'utiliseras pas forcément partout. Donc, c'est plutôt dommage. C'est plutôt dommage par rapport à ça, mon chou. On a eu... Je suis triste. On a Bolverk, c'est un vrai jouet de ouf, vraiment. Le truc, c'est que je pense pas qu'on s'attendait à ça sur cette semaine session. Du coup, ça m'attriste un petit peu quand même. Ça m'attriste un petit peu, je vais pas te faire le vito. Mais au moins, t'as un nouveau jouet, t'as un vrai 5 nat qui, dès que tu passeras un peu au côté PVP, qui va tellement te régaler que tu vas plus savoir quoi faire sans lui, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Là-haut, les amis, vous pouvez vous abonner. Il y a une petite touche sur laquelle vous pouvez cliquer, vous abonner. Et c'est oufissime. Et voilà, et merci. Le pouce bleu aussi. De l'autre côté, vous avez des petites vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer pour voir d'autres divertissements, sur lesquels vous allez vous faire plaisir. Et ça va être cool. Le dernier mot de la fin sera le mot table. Bonne journée à tous. À écrire dans les commentaires, bien sûr.